très approximatif ce dessin. Alors pourquoi Rechain of Memories? Simplement parce que à l'origine le jeu était sur GBA. Ils ont refait le jeu pour Final Mix, mais... on a le droit à une version d'abord au Japon qui a ensuite été transformée sur avec la 1.5 qui est arrivée. Enfin voilà. Là on arrive ici. Et voilà, en anglais malheureusement, pas été traduit. C'était vous allez voir, c'est un peu pixelisé puisque je l'ai vu, mais je n'ai jamais fait la version Rechain. Je me suis dit, bah tiens, c'est le moment. Hey, you think it's okay to barge in? But we gotta do it if we're gonna find the king. The king? King Mickey's here? Something just told me he'd be here, okay? Really? Cause now that you mention it, I was kinda thinking the same thing. Seriously? Me too. One look at this castle. And I just knew. Our very best friends. They're here. Guess great minds think alike. Wait, hey, hold on. It can't be just a coincidence. Oh no, Timothy. You don't mean that. Yep, I had it too. Mm-hmm. I had the exact same feeling. Gorge! Maybe it's contagious. No, no, something's screwy. We gotta go take a look. Pas mieux comme ça. All right. Where are you going? That way, to the door. Are you scared? Ah, don't be ridiculous. Come on, let's go, Goofy. Hey, fellers, shouldn't we shut the door behind us before we go? Sora! That's it. Who are you? What? Oh, yes. Oh, yeah? I'll try some magic. Thunder! Come on. Thunder! Thunder! Come on. Wizard! Fire! I should think it's obvious. The moment you set foot in this castle, you forgot every spell and every ability you ever knew. In this place, to find is to lose, and to lose is to find. That is the way in Castle Oblivion. Castle Oblivion? Here you will meet people that you have known in the past, and you will meet people you miss. I miss? Riku! You mean Riku's here? If what you want is to find him. What'd you do? I merely sampled your memories, and from them, I made this. To reunite with those you hold dear. What's this? A card?
It is a promise for the reunion you seek. Hold the card to open the door, and beyond it a new world. Proceed, Sora. To lose and claim anew, or to claim anew only to lose. Come on, let's go. Voilà. Hop. Alors, c'est un système particulier, on va voir ça juste après. On va avoir un système de cartes qui permet en fait de revisiter les mondes de Kingdom Hearts 1. Comment la ville de Traverse, c'est la ville dans laquelle on a fini. Ou par laquelle on commence plutôt, donc on a pas d'autres cartes, on va s'éloigner. Cible. La ville de Traverse. Tout ceci n'a rien de réel. Une illusion créée par tes souvenirs contenus dans cette carte. Souvenir. Et l'acteur. Oui, ça sera, on a perdu Donald et Dingo. Donald, oh, où êtes-vous? Que leur as-tu fait? Sont à la merci des cartes. Maîtrise ces dernières si tu veux les retrouver. Explication du système de combat. Comme l'exigent les lois de ce manoir, tes habits ont été changés en cartes. Ramasse ces cartes si tu tiens réellement à eux. Les cartes ramassées se placent au début de ton tour. Certains pour tes... Certains pour que tes amis viennent t'aider. Voilà, on a un système de cartes. Il y en a qui tombent, il y en a qu'on a en paquet. On peut faire ça. Une fois utilisées, les cartes disparaissent, mais il leur arrivera de revenir. Les cartes sont le cœur de tes attaques. L'ensemble de ce manoir obéit aux lois des cartes. Devant une porte ou face à un ennemi, tu devras utiliser tes cartes. Mais sache que ta force est importante aussi. Oh, hein, comme ça va. Déplace-toi, puis utilise tes cartes. C'est désormais utiliser ta force, mais il faut savoir garder ton adversaire en ligne de mire. Voyons ce que tu penses. Prends ma deck. Hop. Bien. Alors, chaque action provoque la disparition d'une carte. Une fois que toutes tes cartes ont été utilisées, tu ne peux plus rien faire. Mais il existe une solution, vas-y, épuise tes cartes, je vais te montrer. Il est bien sympa cet ennemi quand même, hein. C'est pas démerde-toi, hein. C'est... Non, non, je vais t'expliquer. Vas-y, tape-moi. Et dès que t'en as plus, je vais te dire comment tu fais pour me taper. Masochiste. Voilà, tu n'as plus de cartes et donc plus aucune force. Tu dois te concentrer pour récupérer tes cartes. Utilise ta volonté pour les faire revenir. Alors... Et le virus... Ça, je comprends pas en fait. Ça, ça doit être pour si on... On a tout le paquet. Et à partir du moment où on a plus de cartes, on a obligé de faire ça. Je t'avais chaud. C'est la volonté de ton cœur qui fait revenir ces cartes. Tu peux rappeler des cartes à tout moment de pouvoir. Mais le temps requis augmentera à chaque rechargement. Les cartes sont limitées, alors utilise-les intelligemment. Et on est dans la merde du coup. Anticipe alors lors des combats et sélectionne le meilleur carte de ton cœur.
C'est ça. En gros, la flèche me permet de... en combat, il existe 4 types de cartes regroupées en 2 catégories. La première, carte attaque magique. Ok. La deuxième, une carte malus. Une autre catégorie à tout moment. Carte malus, c'est ça. Des passifs. Les cartes te servent à attaquer et à te défendre. C'est à toi de décider quand frapper et quand te protéger. N'oublie pas. Vous allez bien? Vous êtes qui où? Aucune idée, on avait une lumière bizarre quand tu as ouvert la porte et... Et après plus rien. Ça ne nous aide pas beaucoup. Il s'agit de vous rappeler ce qui s'est passé. Je dois tenir mon journal à jour. Oui, Gemini est là pour... Pour rien. Et Donald, d'où sortent les nouveaux habits? Voici Dingo. Attendez. Même plus. Dur. Les 5 coups des cartes. Ah, c'est à toi de les coups. Maîtrise les cartes et explore le manoir. Néanmoins, tu vas devoir y aller seul. Elle ne peut pas y aller seul. C'est vrai, il ne peut rien faire sans nous. Merci, Don. J'espère que ça ira. J'espère. Faut que j'y aille. Ok. J'ai besoin de personne. Le héros ne manque pas d'arrogance. Pas le reste du manoir Oblivion. Attends. Explore ta mémoire endormie et tu trouveras quelqu'un qui t'aime. J'ai un très mauvais pressentiment. Détends-toi, Dimini, je sais. Mais je reste sur mes gardes. Tu peux être bien sorcier d'utiliser cette carte. Car on brandit des runes, de porte. Les clés d'ouverture, ça sert à... lancer la suite de l'histoire. Après, il y en a encore une. Après, il y en a une autre. Alors, Deal the Traverse, on va encore avoir des tutos. Alors, vous pouvez réaliser les actions suivantes sur le terrain. Se déplacer. Blablabla. Blablabla. Frapper des éléments avec les clés produit différents résultats. Et. Bien. Bien. Vous devez faire quelque chose. Oui, je sais, mais. Je viens de baiser le tuto. Ah non, j'ai. Lancer certains objets. Approche. Y. Et sans cœur. C'est les ennemis principaux. Si vous touchez un sans cœur, un combat débute. Il est possible de prendre l'avantage en frappant le premier. Coucou. Bien. Vieux paisible. Là, en gros, ils expliquent. Pas dire non point mog. À quoi il sert, mais pas dire non point mog. Et on s'en fout. Hop là, hop là, hop là, hop là. Ah oui, les points box, je crois que ça sert pour. Un peu longtemps, hein, j'en profite. Je l'ai jamais fait. Donc... Il semble que la voix anglaise ici est. Les bâtards.
Il nous faut une carte lieu pour pouvoir accéder à la pièce suivante. Carte lieu, c'est les cartes qu'on récupère à la fin de combat. On va en avoir soit des rouges, soit des vertes, soit des bleus, soit d'autres. Là, on peut voir en fait que en fait, les cartes, ça va permettre de créer un nouveau lieu. C'est une map. Sauf qu'il y a des conditions pour changer de clip. Voir ici. Choisir donc les cartes. Mais j'ai une condition. Si je veux passer dans la pièce suivante, je dois utiliser une carte dont la valeur est supérieure ou égale au chiffre indiqué. Des fois, ça va être inférieur et d'autres. Des fois, ça va être. Attention, il faut qu'elle soit pas obligatoirement verte, etc., etc. Donc là, on va prendre celle-là parce qu'ils viennent. C'est pour nous montrer un point de sauvegarde. Choisir le critère de compte. Carte 0, c'est des passe-partout. À partir du moment où on a des cartes 0, en gros, tu fais ce que tu veux. Et c'est là que va être le problème. C'est que parfois, on va tomber sur des cartes, sur des lieux où ils disent « Attention, je veux absolument ce numéro !» Donc, en gros, t'es obligé de faire des combats pour récupérer un maximum de cartes. Changer de lieu. Parce que sinon, tu ne peux pas rentrer. Et le passe-partout, je crois que ça marche. Enfin, c'est marché surtout, hein. Là, en fait, cette carte-là, ça permet de créer un lieu de sauvegarde. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'on peut changer... on peut revenir en arrière, taper sur la porte, retransformer le lieu en autre chose. Oh, je vais avoir moins de chance que dans la partie d'essai là. Ouais, ouais, bah ouais. Ah, hein. J'ai lancé une partie avant OBS, tout ça, voir si tout allait bien. Dans la partie, j'avais que des points MOG dans chaque. Ça, c'était bien. Hop. Garde. Pas éteindre le PC. Ne pas éteindre votre console. Voilà, niveau 1. Et bah c'est parti. Donc là, hop. Je vais passer dans la pièce suivante. Je dois avoir une carte de 2 minimum. De toute façon, c'est marqué les critères au-dessus. Minimum 2 ou 0. Donc là, les rouges, c'est généralement des salles de combat. Là, ça va être surtout les petits mobs. Oh, je peux pas. Merci. Alors, il y a des choses qui ont, sont pas encore vite. Ah, c'est bon, il me faut tout ramasser. Carte 0. Voilà. Lieu grouillant. Lieu grouillant, c'est en gros. Oh, ma carte. Ah, j'ai pas tout. Ah, carte break. Ah, ils m'ont pas appris la truc, du coup je peux pas le faire. Ah oui, alors petit truc chiant que j'ai remarqué. On ne peut pas attaquer. On peut pas attaquer, on peut pas se défendre, je crois. Pas agressif, je sais. Alors voilà. Autre petite chose, on a gagné. On a gagné un niveau. Ça nous permet soit d'augmenter nos HP, soit d'augmenter la capacité de notre deck. En gros, on est limité par la capacité, autrement dit. Si on veut mettre des cartes avec un plus gros numéro, ça va coûter plus cher, etc. etc. On apprend un tour. Apprendre un tour, ça permet en fait de combiner trois cartes et de réaliser ce tour.
faut que la valeur de ce tour soit qui corresponde en fait, comment dire, en gros, pour lancer le tour rapprocheur, il faut que la valeur des trois cartes fusionnées soit comprise entre un nombre et un autre nombre. Il y a des conditions. Du coup, je vais augmenter quoi en premier. Déjà, on va prendre un peu plus de vie. 15 points de vie, c'est pas négligeable. De toute façon, va falloir faire. Ah. Tapez avant! Là en fait on va se retrouver dans le souffle que je n'aime pas. En fait là le truc qui me saoule c'est quoi. Molasson. Hop, nouveau gain. Ouais, je pense qu'on va tour. Voilà, je suis obligé de faire ça, putain. Alors rapprocheur, donc ça permet de faire une glissade pour se rapprocher des ennemis éloignés. Il y a besoin de 3 cartes. Ils nous ont pas encore appris comment on fusionne les cartes. Problème. Et là par exemple, si je veux utiliser le sort rapprocheur, il faut que la valeur soit comprise entre 10 et 15. Ok, bâtard. Ah, ok, j'ai trouvé tout seul. C'est 15, rapprocheur. Hop là. Par contre, ce que j'ai pas dit, oui. Sur quand on utilise des cartes. On en prend 3 ensemble. Oh, elle m'a éclaté. Celle-là. La merde. Quand on utilise des cartes, la première utilisée est éjectée du deck. Comment on dit? Si je mets une carte 7, une carte 1, une carte 2, ça fait 10. Tu dis, waouh, trop bien! Je peux lancer mon sort, mais derrière, tu peux arrêter la carte numéro 7. Faire attention. Il doit y avoir quelque chose dedans. J'ai entendu un bruit de tape. Là par exemple, 4, on prend. Là, je vais perdre ma carte numéro 4. Mais derrière, je peux faire ça. Pareil, après, on aura des sorts avec Donald et Coco. Je sais pas si je fais ça. Là, j'ai la bingo frappe. Comment ça? Ils sont plus vigoureux que dans mes souvenirs. Ah. Encore le reste de la version GBA, donc en fait je suis en train de faire un double clic. D'accord. Oh là 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 là. Ah, souvenir, c'est compliqué. En fait, la vision comme celle-ci, c'est un peu bizarre parce que GBA, on est habitué à avoir une vision plus étendu. Une caméra du dessus. Là. Ah, c'est comme dans le premier. Gain de level. Parfait. Gain de level. Quand on est HP.
jeu. Actuellement, j'ai 13 cartes sur 16. L'ordre. Voilà. Je vais montrer du doigt, mais on peut pas. Donc, là, dans la partie jeu, celle-là, là, je peux retirer des cartes. Au-dessus, voilà, au-dessus de ma souris, là, de mon doigt. On voit que le PC, on est à 235 sur 275. Ça veut dire que je peux mettre jusqu'à 275. Moment. Donc, pas de problème. Je peux ajouter cette carte-là. Par contre, elle me coûte 19 PC. Là. Je peux ajouter celle-là. 27 PC. Oh, elle coûte cher. Et là, hop, problème. Je ne peux pas. Et faut que je la vire. Alors je vire une carte. Pour le moment. Réorganiser. Oui, on peut changer. Je te modifie. Ah, ça me gêne. Comme ça. La veut là. La partie là, c'est les cartes. Voilà. On a fini ici. Bien, la minimap ne sert strictement à rien. Ah si, non, je suis... Voilà. Donc, voilà la map. Nous, on a été là, on a utilisé assez bien quand même. Donc là, la partie là, c'est une partie histoire. On a besoin de cette carte là. On va y aller tout de suite. Et d'abord. Ah ouais, il va falloir farmer un petit peu dans le jeu, pas le choix. Hein. Aïe. Je viens de faire un card break avec un niveau 1. J'avais fait une carte 0, j'ai absolument. Oh, je récupère. Merde, je suis habitué à taper sur les portes pour. Des restes de GBA sur GBA, il fallait taper sur la porte pour l'activer. Alors. Particulière. Pour les ouvrir, il faut une clé spéciale appliquée. Carte clé. Mais posséder la carte clé ne suffit pas. Il faut la carte clé ainsi qu'une ou plusieurs cartes correspondantes aux critères et plus adéquates. En gros, là, on se la fait baiser la carte. C'est mieux de prendre une carte. Là, ça veut dire que. La carte est très grande, il y a beaucoup de sans-coeur. La carte est moyenne. Pièce où la victoire octroie souvent un bonus extra. Celle-là, déjà, je ne vais pas la claquer. Pièce infectée, besoin de sans cœur qui se prend lentement. Pièce où. Une nuit, ça me fait chier. Et en plus, je me demande si je me la. Je crois qu'il n'y a rien derrière. Je crois. De toute façon. Extra ça. Et. Du grouillant. Ouais, j'adore. Passe partout, hein. Donc là, il faut obligatoirement une carte. On va prendre celle-là. Là. Combat de son n'est pas aussi simple que ça. Ah ouais, je confirme. Les cartes étaient bleues, c'est pas normal. Ah! Mais fais pas un sérieux comme ça. J'ai pas envie de faire des voix.
Mais pas de notre faute, on ne sait pas ce qui se passe. Et non, je parlerai pas en Donald, c'est trop dur. Oh. Oh. Plutôt. C'est de plus en plus bizarre. Que fait Plutôt ici? Ça n'a rien de bizarre, on est arrivé dans la ville de Traverse avec Plutôt, non? D'ailleurs, on l'y a laissé. On sait pas ce qu'on en a foutu. Ah bon? Une minute. D'après mon journal, vous êtes arrivé en ville avec Plutôt avant de rencontrer Sora. Il a raison. On courait après Plutôt et c'est comme ça qu'on s'est retrouvé dans le manoir Ovidivian. Mais c'est la ville de Traverse ici, non? Non, ce n'est pas tout à fait la ville de Traverse. Il n'a rien suivi, tu vois. Je crois que la carte a été créée. Je crois que la carte a créé cette ville de Traverse dans le manoir Oblivion. Pas ces histoires, je n'y comprends rien. Oui, pas de soucis. On ne sait pas où on est, mais il faut qu'on batte tous ces 100 cœurs. Ça devrait nous mener quelque part. Faites attention, ce sont les 100 cœurs qui vont battre. Léon. Quoi? Je ne sais pas. J'ai jamais cherché d'ailleurs. Léon, c'est toi? Que fais-tu dans le manoir Oblivion? Manoir Oblivion, de quoi parles-tu? Ici, nous sommes dans la ville de Traverse. Comment connais-tu mon nom et qui êtes-vous? C'est la première fois de ma vie que je vous vois. Arrête de plaisanter, Léon, on a combattu les encœurs ensemble, tout c'est bien. Pas de quoi tu veux parler. Je n'ai même pas vos noms. Ah bon? Désolé. Sensé, comment as-tu pu nous oublier? Je regrette, mais vous devez me confondre avec quelqu'un. Ce n'est pas grave, Sora. Tu as dit son nom. Attendez. Non, j'y arriverai plus. Hein, mais c'est... Mais comment est-ce possible? Je crois que Léon se moque de nous. Si c'est le gars, c'était pas drôle du tout. Le mode de qui, Dingo? C'est toi et Donald qui... Ah, qu'arrive-t-il à ma mémoire? Qu'est-ce qui se passe? On va savoir, Léon, peut-être qu'Iris avait raison après. On a reconnu. Léon ou Squall de FF8, Luffy FF7. Elle a senti un pouvoir mystérieux. Alors elle nous a demandé d'aller voir. Effectivement, tout ça est très mystérieux. Oh putain, je sens que ça va être marrant les boss. Je sais bien, c'était comme ça, mais ah, ça va être comment? On aurait peut-être amené Sora par Iris. Luffy, tu connais moi? Sûr. On dirait que tu connais bien aussi. Tu connais? Inconnu au bataillon et pourtant je sais comment il s'appelle. Bizarre, mais au moins ça évite de faire les présentations. Non, ton... C'est où tu fais? Bon, je vais prévenir Iris. Toi, Léon, fais l'heure d'en visiter. Non, y a pas besoin. A plus tard. Ça ne sert à rien de te géverser, suivez-moi. Mais faites attention, la ville est infectée. Pas mieux de vous apprendre à vous défendre. Ah oui, c'est vrai que c'est lui qui nous fait la suite du tuto. Tu vois les chiffres inscrits sur tes cartes? Ils ont 0 à 9. Plus, ce chiffre est élevé, plus la carte est puissante. Pendant un combat, si l'ennemi joue une carte au même moment que toi, la carte porte l'emporte. Essaye. Ya! Ya!
Et la carte la plus élevée brise l'autre. On appelle la carte break. L'adversaire annule ton attaque. Ta carte est plus faible que la sienne. Même les cartes puissantes peuvent être bloquées si la carte ennemie est plus forte. Celui qui perd les cartes break retrouve temporairement son défense, alors fais attention. Les cartes 0 sont spéciales. Elles brisent celles de l'adversaire, quelle que soit leur valeur. Trop vite une carte 0, ton adversaire la brisera avec n'importe quelle autre carte. Autrement dit, la 0 est la plus puissante, seulement si elle est jouée en second. A toi donc de la placer au bon moment. Sache que la valeur des cartes est importante après un jeu. Non, je t'invite. Je vais t'apprendre à stocker des cartes. On a appris tout seul, tu sais. Alors, tu n'es pas obligé de... Alors, tu n'es pas obligé de n'utiliser que 8 cartes à la fois. Parce que c'est 3 cartes et les utiliser d'un coup. C'est ainsi qu'on stocke des cartes. En jouant 3 cartes d'un coup, cela renforce ton action. Vas-y, essaye de stocker 3 cartes de ton jeu. Bon, que je sélectionne. Tac, tac, tac. Déjà, je peux te faire approcher. Cette dernière carte stockée correspond à la valeur du coup. La valeur est difficile à briser. De plus, un combo inflige de lourds dégâts. Et on voit de ce dont tu es capable. Comme tu as pu te le voir, ça permet d'effectuer des combos, mais en stockant des bonnes cartes, tu peux réaliser des tours. Il s'agit de techniques spéciales activées en bien précises. Lorsque tu auras plus de cartes et après quelques tours, essaye cela. Il reste un détail important, chaque fois que tu réalises un tour avec des cartes stockées, tu ne peux plus recharger la première. Et elle ne sera de nouveau disponible qu'à la fin du combat. Si tu utilises trop souvent des tours, tu finiras par te couper à court de cartes. Ça m'était déjà arrivé une fois, il me voici deux cartes, j'étais pas l'air con quoi. T'as tout compris Sora. Plus ou moins, je verrai plus. Ouais, tiens, je trouve ça par terre, c'est pour toi. Trouvez cette canette vide par terre, je te la donne. N'oubliez pas mes conseils, utilisez. Simba. Les conseillères. À chaque fois, c'est la partie. Que dalle. Il y a quand même des 100 cœurs. Ah non, parce qu'on se retrouve dans la même. Voilà. Donc en fait, on se fait bouffer la carte. C'est bien ce que je pense. On revient ici. Maintenant, si on regarde, on voit que là. Ces trois cases là. Ça va être les cartes à utiliser. Ah, il y en a une derrière. Donc, lieu paisible. Là, il faut une carte valeur 3. Minimum. On est une minimum. Ah, c'est ça. C'est qu'on ne doit pas pouvoir utiliser de cartes passe-partout pour. T'as l'extrap. Et sous la victoire, on prend des bonus extra. Je vais le faire parce que. On n'oublie pas l'XP, on n'oublie pas l'XP, l'XP important. Réfléchis, désolé. Alors, ok. Quelle carte? Ah oui, c'est ça, les bonus extra. Donc ça permet de récupérer des cartes. Ah, raté! C'est là que je visais. Ah non! Extra, c'est que ça améliore la valeur de la carte, je crois.
Non. Je crois qu'extra c'est de la merde en fait. Attendez. Le gars indécis. C'est quoi déjà les cartes extra? Je crois que les cartes extra, ça fait que la carte, quand elle est jouée, elle est plus puissante, mais tu la perds. Il y a un truc dans le genre, je ne sais plus. Allez, attendez. Ah, on peut pas me... Je sais que l'extra... Alors attends. Pas de voler avec la carte. Merde. Ah, c'est bien. Par contre. Donc, là, augmente la puissance des techniques de feu. Et un rechargement. Il va falloir. Sauf que... Ah, il n'y a pas de... Ah bah si, il y a un coup. Sinon, c'est pas drôle. Et... toutes les cartes que je perds. Pas cette carte là. Attendez les gars, je ramasse un peu d'XP. Ah, parce que je voulais faire. C'est parce que je voulais faire. Merde. Donc je vais pas faire sur mes grosses cartes. Là. Je sais pas ce que c'est. Je sais plus ce que c'est les cartes extra en fait. J'ai fait ça et j'aurais peut-être pas dû faire ça. Merde. Yes, j'ai récupéré la sphère normalement. Je rouille pas assez. Avec deux là, c'est une blague. C'est bruyant. Alors ouais, je prends mon temps, parce que de toute façon faut XP dans le genre de jeu. Hop, on se les fait tous les uns après les autres. De toute façon c'est le début de l'aventure aussi, hein, donc Ah putain. Aïe. Ah si, je crois que... Attendez. Il me semble... J'ai un éclair de génie d'un coup. Très rare. Mais il me semble que les cartes extra, c'est peut-être des cartes qu'on ne peut pas... faire ou pas... Right. Je ne sais plus. En fait, non, j'ai pas d'éclair de génie, pas du tout. J'ai menti. Aïe, j'arrête de faire ça. J'ai rouillé des ennemis aussi. Donald.
va vraiment que je... falloir que je trouve un truc. Mais toutes mes faits, parce que comme je ne sais plus ce que font les cartes extra. Pas beaucoup de cartes pour le moment, je compte HP. Pas de pour le moment, comme j'ai pas beaucoup d'HP. Ça va vraiment premier, mais pas. Encore une carte, j'ai... S'il vous plaît, une carte Mog. Carte niveau 3. C'est fort, hein. Au minimum 3, ouais. Celle-là, hein, encore. Pas le choix. Iris, m'as-tu oublié toi aussi? Je ne sais pas si je dois dire ravi de te rencontrer ou ravi de te revoir. Je ne crois pas te connaître, mais tu sembles avoir ta place. Oui, on ne s'est jamais vu, mais bizarrement, ça me paraît normal de connaître ton nom. Mais je vous dis qu'on se connaît, on a vaincu les concurrents. Quand on faisait équipe. Tant qu'il dit la vérité, je ne me souviens pas. Alors j'imagine que tu oublies ce que tu m'as dit. On la forteresse oubliée quand j'ai scellé la serrure. On se verra, on se reverra peut-être jamais. Mais on ne s'oubliera jamais. T'en souviens. T'as raison, Léon. Je me souviens que tu as dit ça. Tu as dit ça. Tu as dit ça. Alors, ce n'est pas une simple coïncidence. Je n'ai aucun souvenir et pourtant, je me rappelle quelque chose. Peut-être que le cœur de Sarah s'en souvient pour nous. Cœur. Mon amour. Mon amour. Nous ne te connaissons pas, Sora, mais ton cœur est rempli de souvenirs de nous. Les souvenirs doivent aussi résonner dans nos cœurs et ils nous disent quelque chose. D'autant que la mémoire de Sora agirait sur la nôtre, les souvenirs semblent avoir un certain pouvoir. C'est peut-être ce que voulait dire ce type, la ville n'est qu'un. Illusion, le fruit de mes souvenirs. Et il y a une personne qui t'est chère ici? Mais comment? Ah, je vois, mes souvenirs résonnent avec les vôtres et vous expliquent tout. L'un de mes amis est quelque part dans cette ville, enfin dans le manoir Oblivion plutôt. Manoir Oblivion? Mais il n'y a pas de manoir dans cette ville. Non, c'est vrai. Je suis incomplet à expliquer tout ça. Sora, tu ne sais pas vraiment ce qui se passe non plus, n'est-ce pas? Non, nous venons d'arriver, on fera mieux de visiter les lieux. Fais un tour en ville, vous croiserez des encœurs, mais c'est pas ça qui vous arrêtera. C'est me battre, c'est vrai. Je peux pas dire que je me souvienne et croire. On ne sait pas lire. Il est midi pourtant, je devrais travailler. Alors, quand on a une clé véridique, ça signifie que derrière, on aura un boss. Et je crains énormément cette carte. Il y a une question. Est-ce que... est-ce qu'on peut acheter des cartes lieux? Je suis pas sûr. Ouvrez-moi! Carte 5. Ah la 5. Oh, aujourd'hui. Point agressif. Premier dégât. Et elle est grande la salle. Allez hop, on y va. Oh, des cartes. Royal 2. Putain, c'est de la merde, potion 1. Mais c'est de la merde! Alors attends. J'ai vu un petit. Par là. Petit. Allô!
pour du lancer. Tout ça pour ça. Ah, j'ai gagné une carte passive. Nice. Qu'est-ce que j'ai gagné? Je ne sais plus ce qu'elle fait. Modifier. Augmente la valeur de toutes les cartes d'un point. Rechargement 2. Ça dure 2 rechargements. Ok, ok. Ah, elle est trop forte. Ah, c'est terrible. Hein. Pas un petit 100 coeur là? Ah bah si, je me disais bien. Cadeau. Lieu assoupli. C'est clair. Ah! S'il te plaît, un bien. Oui! Une carte de 9! C'est important de checker vraiment tous les coins. Parce que d'une, on récupère des points de vie. Deux. Non, lâche le poteau! Voilà. C'est important de récupérer en fait ces cartes-là. Ah oui, ne pas récupérer les cartes alliées, c'est un peu con quand même. Regarde là, l'allié. Ma première carte. Ouais, un lieu paisible. Donc, je disais donc, c'est important de frapper dans les objets ce qu'on récupère. Et ces sphères rouges qui serviront. Attard. On peut récupérer des cartes de dégâts, on peut récupérer des cartes magiques, tout ça. On peut récupérer des points de vie. On peut récupérer des points mog. Les points mog, c'est important parce que ça va nous permettre une autre monnaie de jeu qui va en fait nous permettre d'acheter des paquets de cartes quand on tombera sur des mog. On est sur des mog. Rapide. Molasson. Ouais. Je récupère tout ça. Ah. Oh non, il me touche avant. Je vais récupérer ça. Je veux absolument. Ah. Il y a l'XP. Voilà, milieu molasse, milieu paisible. Oh. C'est un level. Attends. Petit. Reviens par là. Cadeau. Voilà. En fait, je devrais faire ça. Dans le vent. Ah. Non, l'XP. Là. On va augmenter un petit peu les packaging, j'allais dire, mais pas du tout. Accroche-toi. C'est bon. Wouhou.
d'amitié. Ah, je récupère tout le temps les mêmes. Hein. C'est peut-être d'avoir des. Attendez. Ah, j'ai loupé ici. Voilà. Non, il est pas considéré comme stun. Il est considéré comme con. Pas stun, mais. Aïe. Oh, ça va les dégâts, je pensais que ça allait être pire que ça. J'ai littéralement lancé la corde. Voilà. Oh, j'ai pas regardé ce que faisait la carte. Non, mais chapelet même, c'est pénible. Oh putain. Je récupère ça. Non. Ah. Voilà. Ouais. Voilà. Vraiment. Ça va. Alors, ça, je l'ai pas tapé. Ici, pas tapé ça. Oh bah j'ai bien fait d'aller le voir. On est combien maintenant? Mog. 290. Ah non, je l'ai tapé. Ok, c'est parti. Donc, il faut forcément une carte verte. Ah. On va prendre la plus faible. Et comme j'ai mis une terre d'amitié, et que ça permet d'avoir plus d'apparitions des cartes alliées, donc peut-être que ça va jouer pour le combat qui arrive. Eh bien, alors, cette fois, Sora. Moi, je ne suis pas à faire les nombres de perso. Qu'est-ce que je raconte? Je te connais même pas. Enfin, tu as une tête à t'appeler Sora avec tes cheveux ébouriffés et ton pantalon large. Pas de soucis, si c'est bien mon nom. Si, de FF7. Enfin, celui-là, en tout cas. T'as entendu parler de moi, hein? Le gars est célèbre. Ah, ça ne m'étonne pas. Je fais une voix d'un coup. Tu peux peut-être m'aider. L'un de mes amis est censé se trouver dans ce manoir, dans cette ville. Une idée? L'un de ses amis, hein? On croit surtout des sans-coeur. Impossible de faire un pas sans être attaqué. Surtout sur cette place. On dit que quand la cloche sonnera, un sans-coeur gigantesque surgira. J'adore les rimes. La poésie, c'est ma plus grande passion. Si tu veux sauver ta peau, tu ferais bien de te filer. Il est plutôt. Bon, j'ai des petits problèmes de Dix. Et moi, je me cache, j'ai trop peur. Oh, il a peut-être raison. Vous ne voulez pas avoir ce sans-coeur? Sans façon. Sans façon. Sora, attention! On ne sait pas faire la voix de dingo. Ah, l'armure. Je sens que j'ai ma misère ce combat. Oh, putain, je suis tout seul, c'est vrai! Allez, si c'est comme dans l'autre. Un connard. Change de truc, là. Alors, petit conseil. Utilisez jamais une carte soin en premier. Et pour ça, je pense que c'est pas la meilleure idée. Ça passe les dégâts. Bon, voilà, on se calme. Ça va faire. J'ai pas dû faire comme ça. C'est quoi ça déjà? Je ne sais plus. Ah oui, ici, des cartes spéciales ou
C'est ça. Je fais une action. Paralyse ennemi. J'ai le temps de faire ça. En fait, ouais, c'est ça. Il y a des cartes d'opportunité. Je viens de voir une carte là-bas. Liste. On va passer à côté de lui. Aïe, aïe, aïe. Et là. Ah la vache. T'as plus d'autres, hein? Qu'est-ce que ça fout là? Ça existe? Vigan. Oh, attends, attends, aïe! J'ai plus de 10 cartes, l'enfer du cul. Voilà. Allez, premier boss. Gagner un level ou pas? Et... Armure gardienne. Mais avec un grand sourire. Je suis calé, mais je peux pas. Alors, ton ami n'était pas là? Je peux faire. C'est horrible. La honte. Non, je crois que je le trouverai dans cette. Je ne crois pas que je le trouverai dans cette ruine. Il est quelque part dans ce manoir, j'en suis certain. Ce manoir, cette ville serait un dans un gigantesque. Un manoir gigantesque, un peu trop. Elle est bien bonne. Cid, je crois qu'il a raison. Je ne comprends pas tout, mais Sora y voit clair. Il voit une réalité au-delà de notre monde. Ah, j'aimerais que ce soit ça. Ça va aller, Sora. La vérité peut bien changer d'apparence. Tu t'en sortiras. Tout. Je ne me souviens pas de toi, mais mon cœur te reconnaît. Que c'est Léon Spall. Sois prudent, Sora. J'ose pas tout. J'ai pas tout saisi, mais bonne chance. Alors, la question que je me pose, c'est est-ce que on va directement sortir ou est-ce que. Retourner dans la pièce. Qu'y a-t-il? J'ai pas toutes les réponses, mais tu dois savoir. Je n'ai pas toutes les réponses, mais tu dois savoir une chose. Tes souvenirs ont créé cette ville, pas vrai? C'est ce que l'homme qui m'a. C'est ce que l'homme qui m'a donné la carte a dit. Si c'est vrai, alors cette ville n'est qu'une projection de ton esprit et nous aussi. Mais tu ne peux pas être une illusion, tu es là devant moi et cette ville aussi. Mais je ne suis pas vraiment moi. J'ai oublié l'essentiel et je ressens ce que je ne devrais pas. Méfie-toi de tes souvenirs, Sora. Lors de ton voyage, tu seras confronté à d'autres illusions. Et parfois, les ombres de tes souvenirs essaieront de te duper. Ça veut dire quoi exactement? Je suis mystérieux. Sora, je ne suis qu'une illusion. La vérité m'échappe. Ne dis pas ça, c'est déprimant. Tu ne dois pas laisser les illusions te détourner de ce qui te compte vraiment. D'accord. Allez, je te laisse. Je dois aller me faire empaler par ces tyros. Qu'est-ce que tu fais? J'arrive tout de suite. Iris, il faut que j'y aille. Je suis... Ah, mais sérieuse. Iris? Iris! En fait, elle est cachée là. Quoi, Iris? Elle a disparu, je lui parlais, elle s'est volatilisée. Iris est partie avec Léon et les autres tout à l'heure. Hein? Tu restais planté là tout seul, alors... on se demandait ce que tu faisais. Est-ce ce dont elle me parlait?
Ok, alors. Objectif suivant, la sortie est là, mais moi je veux aller là. Regardez, il est loin derrière. On va utiliser quoi comme carte? Ouah, une 7! Ah, j'en ai. Hop, t'es capable. Aïe. Attends, moi aussi j'ai des cartes. Tiens. Tiens. Ça ne marche pas sur toi, c'est pas grave, je le fais quand même. Voilà. C'est ce que je craignais. Je dirais que parfois ça peut valoir la paix de te... Bordel de merde. Attends, tu vas voir, tiens. Ah, tu sers à ça, toi? Ok, intéressant. Hop là, doucement, doucement. Attendez, je génère mes cartes. Aïe. Merde! C'est pas du tout ce que je voulais faire. C'est pas grave. Cherche. Voilà. Son. Ah, attendez, hop, je dois aller voir ça parce que je ne comprends plus. Les cartes, il me faut une clé réconfort. Et... comment les obtenir? Carte affichée sans la clé. Pas de clé réconfort. En plus de vous tabasser. Du coup. Ah, faut que je refasse mon deck. Pour le matériel. Alors, le hall matériel. Je vais faire. Allez, une carte neuve, enfin. Alors oui, ça augmente ça, ça rajoute un coup au combo classique. 15. Écoutez. Cela se coûte 30. Attaque légèrement. Augmente légèrement la portée des cartes d'attaque. Donc, ça rajoute un combo. Pas anodin. Début en tout cas. Ça, ça coûte 25, je peux pas la mettre. Je peux pas la mettre, ça coûte 2, j'ai pas envie de la mettre. Voilà. Ah,
me sens un petit peu. Faire d'amitié. Ok. Les deux cartes, les deux cartes, les deux cartes. Alors attends. Une 8, ouais. Et une 2. Ok. La 8, elle va vite finir dans mon deck. Encore une carte d'amitié. Putain, ouais, décidément, c'est toujours les mêmes. Restaurant. Oh, il me tape avant. Pas rechargement. Niveau supplémentaire. Vieux molasson. Alors, je peux prendre un nouveau tour. Double impact. Ah, c'est bien ça, double impact. Moment de la prendre. 20 et 23. Oh. Je modifier cette carte là. 17, ça passe. Allez. Plus de cartes attaque. Non, suis-je bête. Je vais pas passer là. Ok, d'accord. Allez, on y va. Oh, il y a un point de sauvegarde. C'est vrai. On va pouvoir sauvegarder notre partie. Déjà 1h16. Mais on a fait un monde. En vrai, ça va.